Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo ici à Page. Donc aujourd'hui, ça y est, on part à Las Vegas. Donc on va faire 4 heures de route pour Las Vegas. D'abord, avant ça, on va aller voir un truc magnifique. Je vous laisse la surprise, mais ça va être magnifique. C'est à Page, pas loin d'ici. Et donc voilà, donc après, c'est Las Vegas, ça y est, dernière. Allez, derniers jours, et après ça va être fini cette saison. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'aller à Las Vegas. Depuis le temps que je vois dans les films Las Vegas, bling bling et tout ça, j'ai envie de voir quand même. Voilà, et il y a pas mal de choses qu'on veut faire là-bas, donc j'ai vraiment hâte d'y aller. Bon, allez, on va aller faire un peu de marche. Il y aura un peu de vent, j'ai mis un manteau parce que j'ai avancé un petit peu. J'ai dit oh là là, il y a du vent froid. Donc j'ai pris un peu manteau, et quand on arrivera, qu'il fera un peu trop chaud, et ben on enlèvera les manteaux. Mais là, ouais, laisse tomber quoi. J'ai bien fermé la porte, ouais, j'ai bien fermé la porte de la voiture. Donc on est en plein désert, et normalement, j'espère qu'on va y arriver, parce que apparemment il y a beaucoup de chemin à faire pour aller dans le lieu. Par contre, il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendez bien. Allez. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Ça y est, on arrive. Ma piste d'atterrissage est là. Voilà. Et je vais avoir des coups de soleil ici. J'ai pas mis de crème solaire sur sa piste. Non, parce qu'il y a trop de vent et j'ai peur de perdre ma casquette. Donc, c'est la première fois que vous voyez un peu. Hein, sa casquette. Je vous donne cette table pour rappeler. Il y a du vent. Trop de vent d'ailleurs. Et comment s'appelle le truc du coup? Horseshoe Bend, ça y est, je vous ai dit, Horseshoe Bend, il y a du vent. Horseshoe Bend. Il y a du vent. Ah, j'ai pris du sable dans les... Allez, il y aura une belle vue là. Il y a du monde par contre, hein. Tu sais, tu montes du doigt mais ils voient pas là. Ouais ouais, ils voient pas. Oh là là. Attends, le vent c'est pas très voyant. Bon, tu vois, il y a pas une heure de marche, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte dans le truc. Le papier, ouais, j'avoue. From up here. World seems small. We can sit together. It's so beautiful. You and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. On se rejette du sable. Par contre, j'ai beaucoup de vertige. On est arrivé, mais ah, ça fait flipper ça. Ah, attention, j'ai beaucoup de vertige. Oh.
C'est magnifique, hein. Ouais, c'est magnifique. Vraiment magnifique, mais quand t'as le vertige, c'est choquant. Et en plus ça, oh là là, le sable. Ah, il y a du sable. Il y a du vide là. Attends. Là, il n'y a pas de barrière. Je vais essayer de m'approcher. Ah, c'est très très haut. Regarde, il y a un trou là, tu vois. Ouais, ouais, il y a un trou. Comment ça se fait, il n'y a pas encore de mort là? Ah bon? Il y en a qui sont déjà tombés. C'est pour ça qu'ils disent rester là. Et tout le monde fait le con là. C'est vraiment, 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 vraiment magnifique. Mais quand t'as le vertige, c'est mort. Et puis allez l'OM. Oh ouais. Non, pas OM. C'est ce que j'ai dit. Et donc, il y a au moins 11 minutes de marche. Donc ça va, c'est pas énorme. Sur le papier, c'était marqué une heure de marche, mais je pense c'est... Je pense c'est pour les randonnées, parce que je dois avoir des randonnées quelque part. Mais c'est magnifique. Ah, là, j'aurais moins peur parce qu'il y a moins de trous ici. Bon, je tremble. Quand t'as des vertiges, je tremble. C'est sûr qu'il y a des meilleurs youtubeurs qui vont aller plus près, mais il y a des endroits où il n'y a pas de barrière. Et il y en a qui sont assis au bord. Vraiment au bord. C'est ouf. Putain. Ouais. Bon, allez. Direction Las Vegas. J'ai hâte. Pas vous? Merci. Pas vous, vous avez déjà été? Moi j'ai hâte. Moi c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est ta ville préférée, Las Vegas? Ah. J'ai préféré le tournage. Enfin ouais, si tu compares WrestleMania et le tournage. Ouais, mais la ville. Niveau ville. Tu préfères Las Vegas que Los Angeles? Ouais, ouais. Ah ouais. Bah, moi, c'est ça. Toi aussi, non, d'ailleurs? Bon, ça monte, là. En tout cas, c'était une vue magnifique, mais quand t'as le vertige... Et que t'as pas de couilles. Et que j'ai pas de couilles, oui. Bah, c'est mort, hein. Tu trembles. Putain, ils sont toujours assis, hein. Ah ouais, regarde ça. Non, mais... Tu m'étonnes qu'il y en a qui tombent là-dedans. Hein. Ouais. Il y en a, ils font pas gaffe. Ouais, ils sont. Putain. Après, il y en a, genre, ils sont au bord et les. Et les quoi? C'est les roches qui tombent. Ah ouais, aussi, ouais. C'est pour ça que je voulais pas aller au bord, au moins. Ouais. Et il y avait un trou là au milieu. Ouais. Faut faire gaffe à hein, celui-là. On voit pas spécialement le trou, hein. On voit pas trop, ouais. Putain.
truc de ouf. Où vous m'avez emmené? Oh, j'ai le cœur qui bat vite. J'ai des petites larmes aussi. Regarde le truc d'escorte, il donne envie. Ça va, tournez. Ouais, tiens. Attends, je mets en... Je vais à gauche. Je mets en gros plan. Hop là. Coucou, ça va chérie? Tournez la gorge. Ouais. Ça y est, nous sommes arrivés à Las Vegas. C'est du bling bling partout. Et nous sommes à l'hôtel. Bon, c'est pas du bling bling l'hôtel, mais elle est bien. Elle est bien parce qu'il y a une piscine là. Ouais. Bon, on a eu des complications là. L'hôtel, je sais pas, ils ont donné la chambre à quelqu'un d'autre. Booking, vous, on va vous appeler en rentrant en France. Il y a un truc qui va pas. Donc, alors, le problème, c'est que ils ont donné la chambre à quelqu'un. La carte à Fabien n'a pas passé, n'est pas là, n'est pas passé. Et en gros, nous on paye en cash. Le problème, c'est qu'il faut toujours réserver avec une carte. Et sa carte a été refusée et on peut plus prendre la chambre. Donc on essaye de voir une autre chambre, mais ça va être beaucoup beaucoup plus cher. Donc à voir. Ou alors on se restreint avec les restaurants. On verra bien. Mais c'est dommage, on était en plein milieu du quartier. Des beaux quartiers. Et voilà. Donc, de toute façon, en voyage, hein, il peut avoir des complications. Donc, c'est à voir ce qu'on va faire après. Surtout, il y a des hôtels qui coûtent dans les 1000 dollars. On peut pas. 1000, 1200, 3000. Donc, on peut pas. Donc là, on a été voir un hôtel juste à côté. Par contre, il n'y a pas de place. C'est dommage. Voir ce qu'on peut faire, s'ils peuvent nous prendre eux. Donc ils vont tout faire. Sinon nous on dort dans la voiture, on s'en fout. Hein. On est dans le beau quartier, moi je m'en fous de dormir dans la voiture. Hein. Si on peut voir des beaux trucs, j'en ai rien à faire moi. On est en aventure. Hein. Donc voilà quoi. Ah, les complications. Surtout si on paye plus cher, personnellement, moi je préfère dormir dans la voiture et faire ce qu'on a à faire ici. Voilà. C'est combien ? 312. Ça va être juste là. 312. Du coup, avec un peu de chance, on aura peut-être un frigo. Ouais. C'est ce que je me suis dit aussi. Il est déjà préparé pour ses photos. On va voir. Commencer. Ouais, par contre, il fait chaud. Hein. On a un balcon. Ouais, mais par contre, il fait chaud. On a un balcon, il y en a un frigo. Ah, c'est cool. Ah, moi aussi. Allez, tiens, on se fout de ma gueule. Hein. Ah, c'est moins drôle. Hein. Ah, mais c'est pas vrai. Hein. Quoi? J'en ai marre. Bah, encore. Ouais. Bon, ça donne au niveau des autres chambres. Hein. Il y a de la merde de pigeons. Ouais, ouais c'est grand. Ah oui, d'accord. Bon. Comme d'habitude, quand on prend un hôtel, je vais regarder un peu autour de l'hôtel, qu'est-ce qu'il y a à faire. Pour l'instant, ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais l'hôtel, ça, elle est pas mal. Elle est là, notre hôtel. Et on a la stratosphère juste là. On voit pas si on la voit un petit peu. Donc ça, on est bien placé. Donc, le problème qu'il y a eu, la chambre a été déjà prise par quelqu'un alors qu'on a réservé. Du coup, on a réussi à avoir un hôtel dans la minute qui suit. On a eu de la chance parce qu'il restait une chambre, donc c'était compliqué. Par contre, voilà, là on est moins bien placé que l'autre on était carrément en plein milieu, hein. Vous avez vu un peu mon rush,
Voilà, on était bien placé, c'est dommage. Là, on va faire un peu de route quand même pour aller, 10 minutes de route pour aller carrément au centre de Las Vegas. Par contre, il y a plein d'hélicoptères. Là, il y a plein d'hélicoptères. Donc voilà, donc ça va bientôt être terminé la vidéo. Demain, grand rendez-vous dans Las Vegas. Ça va être énorme. Donc demain, on a prévu faire Coca-Cola, M&M's. Voilà, ça je voulais faire. Donc, et puis aussi, il y a Fabien. Donc on va aller tout en haut de la tour là. Attends, on voit pas avec les arbres. Bordel! On va aller tout en haut de la tour là que vous voyez. Et Fabien, je sais pas quand, hein, et Fabien va sauter donc en élastique tout en haut. Donc voilà, moi je le ferai pas parce que hein, vous avez bien vu toutes mes vidéos, j'ai trop peur du vide. Je suis pas bien, j'ai des vertiges, même là je sais pas si je vais réussir à aller jusqu'en haut. Après voilà, pour cette tour là il faut payer $25 pour aller tout en haut, mais je le ferai quand même. Après je pense on peut rester dans le truc, mais oh là là, c'est vrai que ça fait haut hein. Bon, ok, le quartier, il est, voilà, il est, c'est pas, on n'est pas dans, on voit, on n'est pas dans un quartier le plus riche, bling bling, comme on peut voir dans Las Vegas. Malheureusement, voilà, on n'a pas eu le choix. Voilà, c'est l'aventure qui est comme ça. Hein, on peut avoir des problèmes quand on part à l'aventure comme ça. Qu'on prépare soi-même. Bon, c'est Tracy et Fabien qui a préparé, mais il y a eu des complications, donc voilà, donc c'est pas leur faute déjà. Voilà. Donc, par contre, il y a plein de salons de tatouage et Tracy, elle a prévu de faire, moi je sais pas, j'aimerais bien en faire parce que je voulais en faire des tatouages et ce serait bien pour marquer le coup un tatouage ici. Et voilà quoi, donc le quartier certes il est pas très, mais là on est déjà à Las Vegas et ça brille quand même hein, mais j'ai vraiment hâte d'aller au centre de Las Vegas, voir tous les hôtels, parce qu'on a prévu aussi visiter les hôtels, on peut rentrer dans les hôtels sans avoir une chambre pour visiter, parce que chaque hôtel a leur spécialité et on peut visiter, donc on va le faire, je sais pas quand, peut-être demain, peut-être après-demain. On reste 4 jours ici, donc voilà, ça va être énorme pour la fin de la saison. Voilà, j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Bon, c'était aussi beaucoup de route. Franchement, j'ai adoré ce matin avec la belle vue. Voilà. Et puis la route, j'ai filmé hein, la route, super belle route, c'est énorme. Donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.